MTN, everywhere you go. Tu t'imagines dans quelle galère tu m'as mise? En plus, j'ai eu très peur, tu sais. Ok, d'accord, calme-toi, ok? Rejoins-moi à l'hôpital et j'appelle déjà la police. Ok, ok. J'ai fait tout ce qu'un policier digne de ce nom ne doit jamais faire. Les ancêtres viennent de me dire que tu n'es pas encore guéri du mal qui te ronge. Où suis-je? Vous auriez pu vous faire tuer. Repars à zéro. Redeviens ce bon policier que tu as toujours été. Tiens. Tu investiras toi-même dans ce que tu veux en trouvant un job d'étudiant. Ok. Il recrute aujourd'hui. Oui. Le docteur Judith vient de m'appeler. Et la Romba s'est fait agresser. Il est à la clinique. Va voir et tu viens me faire le rapport. S'il y a un souci, tu me dis, je suis dans mon bureau. Ok. Mais c'est ta nièce. Tu peux l'accrocher, donc tu peux mieux que moi faire en sorte qu'elle ne se réveille pas. J'ai les résultats. L'expert de Brazzaville dit que tu ne peux plus le faire. Il ne faut pas me décevoir. Ni décevoir les clients. Vous ne serez pas déçu, monsieur. Une autre fillette a été agressée. Oh, merci. Et là, dis-moi, peux-tu continuer l'enquête de Magali pour moi? Avec plaisir. Sache que si tu mêles la médecine de Blanc à la mienne, tu mourras tout de suite. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non, je ne veux pas mourir. C'est vous? Vous qui? Vous qui habitez là, quelque part là. Peut-être. Mais comment ça peut-être? C'est bien vous. Ce n'est pas parce que je n'ai pas mes lunettes que vous allez essayer de me berner. Je n'essaie pas de vous berner. J'ai besoin d'une aide. J'ai plus de sous, jeune homme. L'Ongandam a tout pris.
Et plutôt une aide pour retrouver l'agresseur de cette gamine. Elle est jolie, hein? C'est votre fille? Elle a disparu au moment où les témoins vous ont vu uriner dans la rue. Mais parce qu'on n'a plus le droit de pisser dans la rue? Répondez et faites-moi de commentaires, s'il vous plaît. Avez-vous vu une fillette ou quelque chose? Votre femme m'a parlé d'une voiture. Ah oui! Ce salaud a braqué ses phares sur moi alors que je pissais. Tout le monde a vu mon... Ah, comment dire ça? Ouais, je comprends, je comprends. À part cette voiture, y avait-il quelque chose? J'ai vu une fille monter dans une voiture. Quelle voiture? Mais celle qui m'a ébloui! Ça doit donc être la même voiture. Mais comment avez-vous pu identifier une fille montée dans une voiture tout en étant ébloui? La voiture s'était d'abord arrêtée, n'avait pas mis les phares. Ça, c'est suspect. Pourquoi mettre les phares sur moi, sinon pour m'empêcher de le voir, hein? Ça, c'est pas bête. Eh oh, ce n'est pas parce que je bois que je n'ai plus de cervelle, hein? Arrêtez donc de boire, pour éviter que le reste de votre cervelle ne se retrouve noyé dans l'alcool. Mais ce n'est pas ma faute, ils n'ont qu'à fermer l'Inganda. Au fait, quelle était la marque de la voiture? Ça m'échappe. Une Peugeot? Une Renault? Une Mercedes? Une familiale. Et la couleur... vous savez, dans la nuit, hein, tous les chats sont gris. Vous devriez plutôt consulter un médecin. Rien que pour quelques picotements au ventre. Allez plutôt vous occuper à retrouver cette voiture. Merci pour ces informations. Je verrai si je peux fermer les gadas. Hé, attends que je sois mort pour les fermer. Je ne suis pas sous, hein. Ouais, ça se voit. C'est monsieur Nganga Albert. Non, Nganga Aubert. Nganga Aubert. Il a 45 ans, il pèse 72 kilos. Là, sa taille est normale. Sa température est aussi normale. Mais c'est sauf la douleur. Monsieur. Monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur. Que s'est-il passé? C'est le policier qui m'a envoûté. Je suis tombé dès qu'il est parti. Vous sentez l'alcool, monsieur. Combien de verres avez-vous bu? Deux. Deux verres. Et deux petits verres, docteur. Je suis encore trop jeune pour mourir. Ne négligez rien. C'est peut-être l'appendicite. Calmez-vous. Non, monsieur. Ce n'est pas l'appendicite. Obtenez d'abord votre diplôme de médecin avant de faire votre propre diagnostic. Aïe! 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 Vous voyez bien que j'ai mal quand vous appuyez.
C'est l'appendicite. Non, non, ce n'est pas l'appendicite. Car ici, c'est le foie. Vous faites peut-être une cirrhose. Hein? C'est quoi ça, sirop? Oh, mais quel sirop? Oh, il y a un problème. C'est grave. Ah, rien de grave à l'extérieur. Mais ici, oui. Et ce n'est pas sirop, mais cirrhose, monsieur. Oh non, je n'ai pas encore fini de profiter de mon argent. Ah, et ben c'est l'occasion d'arrêter avec l'alcool. Hein? Ça va passer. La clé pour l'instant, c'est la familiale et la pub de l'épervier. Car les collègues de Talangay en ont trouvé une près de la victime. Que faisait le propriétaire de la familiale? Est-ce un habitant du quartier? La fille connaissait-elle son agresseur au point de monter en toute confiance? Robert. Il a une famille à l'église. Il habite le quartier. Et c'est l'oncle de la nièce. Il vérifie la nuit. Oui. C'est moi. Ah, docteur Judith. Bonjour. La petite est arrivée. Oui, docteur Judith. Votre appel vient confirmer nos soupçons, docteur. Ben, remerciez votre sœur pour son courage. Ok, merci, docteur. Bien. Nous tenons notre ordre. Il a proposé à la sorte, docteur Judith, de lui ramener une jeune fille ou une voisine en échange d'un million de francs. Il embauche actuellement. On va l'arrêter, on lui fait cracher le morceau. Le procureur ne l'autorisera pas. Elle était bien claire en matière de violence policière. L'arrêter seul ferait fuir ses complices. Ce à qui il livre les fillettes. Et voilà. J'appelle la RC qu'on nous envoie à deux policières. Et puis comme ça, on pourrait infiltrer son agence et on n'aura plus qu'à penser tous ces pervers. Mes respects, on nous envoie pour une mission d'infiltration. Repos. Savez-vous au moins le caractère de cette mission? On nous a simplement parlé d'infiltration. Il s'agit bien sûr d'une infiltration. Mais vous ne remplissez pas les critères. Nous sommes les meilleurs de notre promo. Pour infiltrer une agence d'hôtesse d'accueil, vous serez déjà recalé par la secrétaire. Ne le prenez pas mal.
mais il nous faut des filles sveltes. Bien reçu. Je mangerai moins de bonnes sauces du pays. Sans vous manquer du respect, nous sommes si sveltes. Toutes mes excuses. Et nos remerciements d'être venus si vite. Mais ne remplissez pas le critère. Ce n'est pas à moi. Je voulais juste me rassurer que c'est bien de l'eau. Ah oui. Et qu'est-ce qui n'est pas à vous? Mais enfin, ressaisissez-vous, monsieur. Vous risquez votre vie, là. Vous serez interdit de visite. Et vous? Comment osez-vous donner de l'alcool à mon patient? Mais ça lui fait plaisir. Et alors? Quand il sera un mètre sous terre, vous prendrez soin de sa femme et de ses enfants. Oh, juste sa femme. Les enfants iront à la rue. La vérité se dit en blaguant. Méfiez-vous de ce genre de personnes. Et quant à vous, dehors. Sortez d'ici! MTN, everywhere you go. Permission de parler librement. Accordé. J'ai trouvé vos propos très choquants envers les femmes. Si vous me permettez cette remarque. Je vous permets, sergent. Et je m'excuse d'avoir tenu de tels propos. Je me suis laissé emporter par les taquineries. Je trouve également qu'il manque des femmes dans ce commissariat. On pourrait vous traiter de sexiste ou de misogyne. Ce n'est pas faux, hein. Est-ce une candidature à la mutation dans notre commissariat? Il serait dommage que vous n'alliez pas jusqu'au bout de vos idées. Je pourrais soutenir votre dossier auprès du capitaine. Mon dossier sera sur votre bureau d'aide demain matin. Je suis rassurée par votre ouverture d'esprit. Je connais beaucoup d'hommes qui se seraient braqués dès ma première remarque. C'est plutôt à moi de vous remercier d'accepter de combler ce vide dans notre commissariat. Ne serait-il pas mieux qu'il y ait deux femmes dans le commissariat? Et pourquoi se limiter à deux? Il peut en avoir autant. Tu veux féminiser la police, quoi? Une pour la paperasse, ça suffit. Mais de là à rajouter 1000, ça deviendra un lieu pour parler coiffure, manicure et cuisine. Ça changera mieux des conversations sur le foot et sur vos macangous. Elles ont parlé de sexisme et de misogynie. Tu dois leur donner raison par des propos qui ne sont pas dignes de toi. Tu plaisantes. C'était pour rire. Et puis quand même, le terrain c'est pour les hommes. Quel mari congolais laisserait sa femme traquer des brigands la nuit alors qu'elle doit rester à la maison garder les enfants? Pourquoi le mari ne s'occuperait-il pas de la maison et des enfants pendant que la femme travaille, hein?
Quelle loi l'interdit? Tu t'enfonces, mon ami. Elles attendent tes excuses. Présente-les, sinon je te colle une mise à pied. Je ne plaisante plus. Bon, ok. Je vous présente mes excuses si je vous ai offensé. Excuse acceptée. On va bien s'entendre, vous aimez. Amen. Rassure-moi, tu jouais la comédie ou quoi? Tu ne comptes pas les recruter? Tu as vraiment un problème, hein? Faut te faire soigner. Oui, ça va, t'inquiète pas. Tu as vu le médecin? Oui. Il m'a prescrit des vitamines. Tu travailles trop, prends quelques jours de congé. Tu sais très bien que je peux pas. Il faut que je te laisse. Bisous. Encore parlé? Non, rien depuis hier soir. Va souffler un peu, je prends le relais. Non, ça ira. Je préfère être là quand elle ouvrira les yeux. Va au moins te soulager pendant que je suis là. Ne t'inquiète pas, elle ne parlera pendant ton absence. Coupe-moi confiance. Tu serais pas loin. Non, en fait, j'ai pas fini mon texte. Non, mais ressaisissez-vous. Action. La clé pour l'instant, c'est la Mercedes et la pub de l'État. Ok. Familial. C'est bien écrit là. Ouais. Allez, on va voir. Allons-y. Ouais. Allons-y. Non, mais enfin, ressaisissez-vous. De sexiste ou de misogyne. Ce n'est pas faux.
Et est-ce une mutation de couper la caméra pour le texte? Est-ce qu'on arrive à la mutation de notre commissariat? Ok, d'accord. Allons-y. Je savais qu'il Il faut que je te laisse. Hein? Bisous. Ça deviendra un lieu pour parler coiffure, manicure et cuisine. Ça changera au moins. Arrêtez, arrêtez. Je préfère être là quand elle ouvre les yeux. Bah, au moins, te soulager pendant que je suis là. Ça va, mais quand t'en rajoutes 1000, ça deviendra mieux pour parler coiffure, manicure et cuisine. Ça changera au moins de conversation sur le foot et sur le... Et sur... Bon, madame, oui. c'est bon, madame, ça va. Vas-y. Ça changera au moins la... Ça change ta... Ça changera au moins des conversations sur le foot et sur Romakam. Ok, c'est bon. Donc ça, ça va commencer. Là, c'est la colère. En fait, c'est la colère. Action. Mes respects. Permission de parler librement. Accordé. J'ai trouvé vos propos très choquants envers les femmes. On pourrait vous... Aïe, on est tombé. On reprend. Tu sais très bien que je ne peux pas. Il faut que je te laisse. Repos. Ça te comprend le caractère de cette mission? On nous a simplement parlé... Yeah.